Le Congossa est un plat qui se mange chaud, très chaud, avec des effets spéciaux. Taxi Congossa, on joue le jeu. Bombi, descend. Taxi Congossa, Congossa, Taxi Congossa, Congossa, Taxi Congossa, Congossa, Taxi Congossa, Congossa. Imaginons qu'on propose une somme d'argent, 100 000 euros. Là, on est en train de parler de Dubaï porte-à-porte. Hey. C'est-à-dire qu'on te propose 100 000 euros, 65 millions de francs CFA. Non, il attends d'abord que je finisse la question. Je finis d'abord la question. 65 millions de francs CFA cash. Que le gars morto, tu chopes. Tu fais comment? Non, hey. Il ne faut pas répondre comme ça, comme si c'est 65 millions. C'est vrai, c'est 65 millions. Parce que chaque jour de ta vie ici au pays. Je ne peux pas. Donc ma vie vaut seulement 65 millions. Non, attends, tu es montre. Non. Mais tu es montre. Tu es montre. Tu vas voir, c'est 65 millions. Donc si je n'avais pas 65 millions dans ma vie, non. Ma dignité vaut plus que 65 millions. Non, mais moi, je vais regarder encore ma mère comment. Je vais regarder mon père comment. Moi, je suis parti comment. Sérieux, il y a des choses que les gens font ici dehors, tu entends? Mm-hmm. Ils peuvent venir vers toi comme ça, là. Je te pose un problème. Tu prends peut-être de l'argent comme il est en train de dire là, tu m'aides, mm-hmm. N'est-ce pas? Et après, je me rends compte peut-être que tu as tué peut-être quelqu'un pour avoir cet argent, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je ne vais pas... En fait, dans ma tête, je vais dire caca, c'est pas moi qui ai tué. Mm-hmm. Non, je suis passé, tu m'as aidé, ça va comme ça. C'est vraiment, je suis avec le truc comme les sectes, non? C'est comme ça se passe. Mm-hmm. Tu vas venir après, tu vas dire que non. Si elle savait qu'il était dans les sectes, il ne prenait pas son argent. On a déjà fait sa coron, on enchaîne avec la polyandrie. Vous savez ce que c'est, non? Oui. Vous êtes pour ou contre la polyandrie? Moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas déjà d'accord? Que... Pourquoi? L'homme, c'est quand même le coq et tu mets les... Tu as dit ici là que l'homme, c'est que c'est faible. Oui, oui. Ah, non, maintenant pour la polyandrie, il y a le coq. Oui. On ne peut pas avoir deux coqs dans une basse cour, ça ne peut pas donner. Non, tu as dit que l'homme est le sexe faible, oui. Donc c'est la femme qui a le coq. Non. T'as dit que c'est elle qui a le power. En tout cas, moi je ne suis pas. Bon, je suis contre ça, mais bon, si celles qui font ça sont heureuses, c'est pas un problème. Donc, pour toi, une femme mariée à Maria. Moi, ça ne me passe pas. Ah parce bon? Que la femme est d'abord. La femme est faible mentalement. Tout à l'heure, tu n'as pas dit ça. Quand on parlait de ça, tu as dit ça. Oui. Ok. Parce que la femme est d'abord faible mentalement. Mm-hmm. Même quand il y a un problème dans la famille. Mm-hmm. Si c'est la femme qui est à la tête de cette famille, ça ne va jamais donner. Uh-huh, parce qu'elle est d'abord la première à s'enflammer. Quand c'est l'homme, il vous laisse vous bavarder. Quand il dit stop, il vous appelle, vous vous asseoir. Il vous donne les directives. Bon, si maintenant la femme a le mental donc. Voilà. Parce qu'il y a les femmes féroces. Oui. Il y a quand même les exceptions. Ben. Voilà. Donc, mais, si une femme a le mental. Et que elle tombe juste ces trois gars qui la yamo et que elle sait yamo c'est trois gars. Non, moi c'est marié non. Moi non, je peux pas accepter. Comment je peux être non, marié? Non, pas dit que c'est toi. Elle me épouser et que je me rends compte qu'elle a encore un autre homme qu'elle va encore épouser. Qu'elle vit peut-être avec un autre homme. Et qu'elle vient encore épouser, c'est pour faire quoi? Et si elle est le dos, elle est pas d'aller de. Non mais je préfère manger l'argent comme ça. Mieux, si elle mange l'argent non, ça ne parle pas fait mariage. Tu vois maintenant, alors que tu as. Parce que moi, je vais vouloir parler, qu'elle veut dire que non. Alors que tu vas parler de filles, tu vas partir en bain, tout ça. Tu vois alors maintenant que ton argent n'est même pas là. Sale. Tu vois alors que t'as pas. Elle est à dire que si l'argent que quelqu'un a mangé les c'est la même chose. Moi, j'ai dit si c'est qu'elle mange l'argent.
Je ne sais pas si tu es capable de corrompre sa mentalité pour l'argent. Tu as dit tout à l'heure quoi? Tu n'étais pas d'accord. Maintenant, comme j'ai dit l'argent, tu dis que l'argent, machin, machin, mon désolé. Tu es prêt à corrompre ta mentalité pour l'argent. Si je veux, j'ai bien dit. J'ai précisé. Non, pas si tu veux. Attendez un peu. Revenons sur le débat normal. Voilà, un gars, il dit, donc tu peux faire le buzz sur ma part de buzz. Non, c'est pas grave, filmé, il n'y a pas de science en vous. Donc, j'ai dit que la polyandrie, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est un peu une façon, c'est un peu une forme d'injustice vis-à-vis des femmes. Parce qu'il y a les femmes capables. Elles peuvent gérer deux, trois gars. Oui, oui. Et si les trois gars, on peut mettre le cas où si les trois gars sont d'accord que polyandrie, le peut-être est où? Elle est pour ces trois gars, non? Bon, ça. Et si elle aime les deux, chacun gars a sa maison, non? Qu'est-ce qu'on fait, non? Mais pour vivre, non? Pour vivre, non? Elle-même, ça parle de maison, mais elle est comme ça. L'enfant est de qui? L'enfant est de qui? Mais c'est de vous deux, non? C'est la magie. Mais elle a assez de moyens pour faire. Moyen, c'est le moyen de l'enfant. C'est comme si je vais chercher même. Je vais te dire. C'est un bruit, justement. Dès que tu consommes ma maison, tu as signé le mariage pour le meilleur. Elle aussi, elle est comme ça. Elle aussi, elle a signé pour les entrées. Elle a toujours signé la même chose de femme qu'elle. Donc, on est toujours sur la polyandrie, mon frère. La polyandrie dit que c'est comme la polygamie, non? S'il y a un enfant, la femme sait que la période où justement enceinte, c'est la période où je dormais chez elle. Donc, c'est lui le père. Bon. Donc, elle est obligée, donc elle doit faire les enfants à tout le monde. Bon, chez nous, on dit que quand une femme enceinte, elle ne doit pas faire, elle doit pas avoir les rapports avec un autre homme, avec seulement autre avec homme. Le père de la femme. Non, là, on parle de ses maris. Attends, c'est pas des maris. C'est pour ça que la polyandrie c'est un cas un peu différent. Elle est mariée officiellement avec un gars. Avec trois gars. Maintenant, tu sais, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Les trois gars sont les trois et trois pères. Donc, ça veut dire que s'il faut voter, tu vas voter pour ou contre la polygamie. Elle vote contre. C'est quelqu'un ça, mon petit. C'est avec mon choix. C'est quelqu'un ça. Vous voyez qu'il y a un jour que je vais coucher avec ma femme, que je veux que ma femme soit à côté de moi. Le jour là, c'est le tour de l'autre. Donc, je fais aussi, comment? Vous faites l'émission là-bas derrière. Non, ça va. Je fais comment, donc? Tu n'as plus son numéro. Continue à dormir là, tu dors même pas. Elle est étudiante, donc elle sera diplômée, elle va avoir un travail de monde, là tu dors. Pour la polygamie. Elle se tient les choses comme ça. Non, déjà, bon, moi. Bon, tu es pour la polygamie. Moi, je suis contre la polygamie personnellement. Mais je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. Mais moi, je suis contre ça, je ne peux pas faire ça. Bon, et la polygamie? Déjà, dans la culture africaine, on sait que c'est naturel. La polygamie, c'est un truc qui a toujours existé. Donc, c'est pas étrange. Mais maintenant, la polyandrie, ça fait pas partie de notre culture. Tu es sûr? Oui. Ton téléphone, là, fait comme ça. Bien parler depuis là, le mouvement est là, il te voit depuis là, il ne parle pas. On va
j'ai qu'à commencer. Avant de continuer avec le débat, non. Moi, je fais comme ça. Maintenant, tu veux aussi faire comme les enfants quand ils vont se vendre là-bas. Ma chérie, merci d'avoir participé à l'émission. Vous avez les pièces, les gars. Les mecs, non. Vous avez 600. Tu as 100 francs, non. Vous avez 100 francs. Tu as 100 francs. J'ai dit, c'est un complot aujourd'hui, il n'y a pas la monnaie. Donc, c'est un complot dans mon taxi aujourd'hui, personne n'a la monnaie. Ma chérie, pas. Tu n'as pas de chance. Sors pas là-bas. Merci. Bonne journée. Tu regardes sur YouTube. Ok. Yawa. Attention, on attend pas. Bye-bye. Bon, mon gars, donc tu n'as pas le numéro. Hein? Hein? Tu as pas le numéro? Non, j'ai pris. Tu as le numéro? Ouais, non, c'est ça. Et tu demandes ça pour que tout le monde voit. Il manque, là. Bon, dis-nous comment tu vas alors faire pour aborder la petite là. Explique-nous la stratégie que tu vas adopter pour gérer la petite là. Bon, pour moi, c'est. Comment elle s'appelle? Oui, elle s'appelle Véronique. Non? Véronique, hein? J'ai mis Véronique étudiant. Alors? Pour qu'elle puisse bien me rappeler. Bon, donne la technique, tu vas faire comment? Tu appelles, tu connais. Tu fais comment? On appelle, on envoie les photos, on fait. Les photos? Mon frère, quelle est la photo? Attention à toi. Non, on envoie les photos donc, pour qu'elle voie bien d'avoir la personne. Ah, mais comment? Elle t'a vu, non? Oui. Elle doit encore voir peut-être que dans mes situations un peu. Hein? Quand tu es toi-même. Voilà, tu vois un peu. Pour l'impressionner quoi. Après, donc, ça va commencer à venir, appel vidéo, tout ça. On peut se voir, tout ça. Donc, c'est un peu. Et quand vous allez vous voir la première fois, si elle accepte, tu fais quoi? Tu l'invites où? Ok, chez moi, donc d'abord. Chez toi? Moi, oui. Mon frère, première invitation chez toi. C'est chez moi. Comment ça? Il n'y a même pas un restaurant avant. Non, il y a tout ça chez moi. D'abord, moi, je suis à zéro pas de la boulangerie. Donc, on achète les choses là, on monte à la maison. On mange pas quelque chose des restaurants et le transport, tout ça. Tu n'y vas pas. Bah, ça dépend. Donc, tu dis que mieux vient à la maison. Non, mieux vient. On baille tout ça, on chope à la maison. Coran, ouais, mets dedans. Dans Eh, quelle est la fête de monnaie si a commencé? Mets dedans. Ok, tout à l'heure. Coran, 1000 francs. Coran, dans 1000 francs. C'est pas 1000 francs que tu fais. Ça, c'est pour faire quoi? Voilà, tu es dans le taxi Congossa. Ici, on tape le Congossa. C'est-à-dire que je lance un sujet de discussion, chacun donne sa part. Donc tu me filmes aussi. Hein? Ah, filme non, il y a quoi? Attends. Tu peux filmer. Hein? C'est lui. Ah! Et qui est? Je suis entré dans le taxi de Moïse. Ah, accordé. Bienvenue dans le taxi Congossa. Mais ici là. Mais ici là, on fait le Congossa. Hein? On ne blague pas avec les divers ici là. Il nous manque encore deux clients.